Bonjour, je m'appelle Gudrun et je te souhaite la bienvenue dans ma mailing list et dans le monde de la Chandra. Je vais l'appeler comme ça parce que j'ai prévu pour toi et avec toi un voyage sur ce chemin vers la joie d'être une femme, ce chemin vers le féminin sacré. Tu vas découvrir ensemble avec moi les mouvements, les méditations guidées. Je vais te faire découvrir les cours que je donne, les stages que je donne, que ce soit offline, donc en vrai ici en Belgique, ou bien online, donc sur Internet, où tu peux avoir la possibilité de me rencontrer sur Facebook, dans les groupes Facebook, ou dans un cours, que les cours que je crée au fur et à mesure. Je suis très contente que tu es ici et je te remercie beaucoup de ta confiance parce que les femmes qui s'intéressent au féminin sacré, pour moi, ce sont des femmes vraiment précieuses, vraiment spéciales. Ce pas vers ce féminin sacré, c'est un pas en dehors du monde rationnel dans lequel nous fonctionnons vers un monde, je vais dire, d'enchantement. Et je vais donc t'aider sur ce chemin si tu le veux. Et on commence avec une checklist que je t'ai promis au moment que tu t'es inscrit, que je vais t'envoyer tout de suite maintenant. Cette checklist, tu verras, c'est un simple état des lieux pour savoir si l'appel du féminin sacré est actif dans ta vie et à quel pourcentage. Je pense que c'est pas mal de commencer comme ça pour avoir une clarté de ce que moi j'appelle le féminin sacré. Qui est pour moi vraiment un feeling, un sentiment? Tu ne vas jamais trouver de ma part une explication de ce que c'est. Et avec cette checklist, tu vas, je pense, voir un peu plus clair. Et je propose à la fin de cette checklist déjà un premier pas que tu peux faire. Et puis commence ton voyage avec moi, avec mes emails. Sache que tu peux te désabonner à n'importe quel moment. Et je serais très contente si tu m'envoyais une réponse de temps en temps, si tu me contactais, si tu me racontes comment tu vas, si tu partages avec moi ce que tu auras envie d'entendre de ma part et ce que tu aimes dans les emails que je t'envoie ou ce que tu n'aimes pas. Et cette interaction m'enrichit, moi aussi. Je me réjouis donc que tu es là. Et j'espère qu'on va se rencontrer en vrai ou en virtuel et peut-être même très bientôt. Très belle journée, très belle soirée, selon à quel moment tu écoutes ce message et à très bientôt. Au revoir.